Bienvenue à la Fondation Pierre Djanada. Nous sommes à Martigny, petite ville de Suisse, en bas à gauche de la Suisse, c'est-à-dire à une demi-heure de la frontière italienne et à une demi-heure de la frontière française pour aller à Chamonix. Nous sommes dans le parc de la Fondation Pierre Djanada que j'ai créé il y a 46 ans. On a un parc de sculpture classé par la Gazette de Rouen comme l'un des plus beaux parcs de sculpture d'Europe. On a des expositions qui ont attiré à Martigny déjà plus de 10 millions de visiteurs. On a aussi un musée gallo-romain, puisque au démarrage, il y a eu la découverte d'un temple gallo-romain que j'ai conservé. Et puis surtout, il y a la musique qui est aussi importante que les expositions. Par exemple, Cecilia Bartoli est déjà venue plus de 30 fois chez nous. Il y a 50 ans que j'ai démarré cette construction et que je m'en occupe. Donc, bienvenue à Martigny. Nous trouvons à l'intérieur de la fondation avec ce qui est à l'origine de l'aventure, c'est le musée gallo-romain, le temple gallo-romain. Pourquoi gallo-romain ? Parce qu'avant la conquête romaine, en 57 avant Jésus-Christ par Jules César, les Celtes étaient installés ici. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont mis leur divinité, le dieu Mercure. Donc on a conservé le temple et puis j'ai construit l'immeuble autour. Tout ce qui est présenté provient exclusivement de Martigny, ce qui donnera une dimension, une spécificité unique. Je suis ici avec les célèbres grands bronzes d'Octodure. Octodure, c'était le nom non pas romain, mais le nom celte de Martigny. Le nom romain, c'était Forum Claudi Valentium. C'est le forum de Claude, l'évêque, l'empereur Claude, qui a fondé Martigny. Et ces grands bronzes ont été trouvés il y a plus d'un siècle, tout près d'ici. Ils avaient été visiblement regroupés pour être fondus. Ils sont exceptionnels, ces statuaires. Et cette tête de taureau, par exemple, est exposée au Met à New York. Alors, l'important pour nous, pour une fondation, c'est de créer l'événement. Or, l'événement, c'est pas des expositions permanentes, mais temporaires. C'est-à-dire qu'il y en a toujours une, elles se suivent, elles s'enchaînent. On a eu à peu près 200, autant de catalogues pratiquement. C'est un travail de titan. Et on travaille avec des grands musées. Par exemple, cette exposition du buffet, c'est avec le Centre Pompidou de Paris, avec qui nous avons fait déjà plusieurs expositions. On a eu des grands musées qui ont exposé leurs chefs-d'œuvre, comme le musée Pushkin, le Métropolitain, la Phillips Collection. Pendant 40 ans, on a eu chaque année une moyenne de 250 000 visiteurs à Martigny. Dès la création de la fondation, la musique était très importante pour moi. J'ai imaginé de donner des concerts, avoir une activité musicale. C'est pour ça que j'ai fait les escaliers qui accueillent les musiciens qui se trouvent au bas des escaliers. Donc ils sont entourés. Et puis ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que le public, il entoure l'artiste. L'artiste est au milieu du public, à quelques mètres, ce qui donne une dimension particulière. De plus, l'artiste chante ou joue avec des chefs-d'œuvre autour de lui. C'est inspirant. Cecilia Bartoli, qui est une grande amie, elle est venue plus de 30 fois déjà à la Fondation. Et elle est venue donner la Cenerentola ici.
Et la mise en scène tient compte du lieu. Par exemple, le chœur avec les hommes à leur chapeau melon se trouve au sommet sur la galerie supérieure à Bonheur. Alors, bizarrement, on se trouve dans un musée d'automobile. Qu'est-ce qui vient faire un musée d'automobile à la Fondation ? L'histoire de la Fondation a débuté en 1976. Je suis constructeur et en faisant les fouilles d'un immeuble que je voulais réaliser, on est tombé sur les vestiges d'un temple gallo-romain. J'ai obtenu le permis de construire, ce qui sous-entendait le permis de raser ces vestiges. Ça me dérangeait. C'est alors que mon frère Pierre, dont j'étais très très proche, a eu un accident d'avion. Il est décédé dans son avion qui brûlait en voulant porter secours à ses camarades. J'ai immédiatement décidé de faire cette fondation en son souvenir. Ici, nous nous trouvons dans le parking de l'immeuble que je n'ai pas réalisé. J'ai fait une collection, j'ai acheté toutes les voitures qui sont là, il y a une cinquantaine de voitures représentatives de l'histoire de l'automobile. Je me disais que les parents seraient peut-être contents de mettre les enfants dans le musée de l'automobile pendant qu'ils visitaient l'exposition. Eh bien, c'est souvent l'inverse qui se produit, donc c'est bien. Nous trouvons dans le parc de sculptures, mais il y a une cinquantaine d'années, c'était des vergers. Alors, petit à petit, j'ai construit, agrandi, et maintenant, j'ai la coquetterie de dire que ce n'est pas un parc de sculptures, que c'est un jardin botanique agrémenté de sculptures. Et on ne voit jamais que deux, trois sculptures en même temps. Il y en a 50. Dans le rétroviseur, j'ai 87 ans. C'est déjà un miracle pendant un demi-siècle d'avoir tenu à bout de bras concerts, expositions, 10 millions de visiteurs. Je pense que mes successeurs, en tout cas sur le plan musical, font très bien les choses. Je n'ai pas de soucis, mais je veillerai à ce que ça se passe bien. Faites-moi confiance.